Bonsoir à tous, bienvenue au 19h45 édition de ce mercredi 12 mai 2021. Voici tout de suite les titres. Là, difficile de passer une saison sans qu'un cas d'incendie ne soit signalé qui brûle les marchés à Douala, c'est le dossier du 19h45. Veille de la fête du Ramadan, les fidèles musulmans font les emplettes au grand bonheur. Le gouvernement vient de s'exprimer. Voilà pour le sommaire. De votre fidélité au 19h45, merci. Ouvrons ce journal par le dossier de la rédaction. Et comme annoncé en titre, on s'interroge sur les différents marchés qui brûlent dans la ville de Douala. Et au sujet de l'incendie enregistré hier au marché Dakar, dans le 3e arrondissement de Douala, qui a vu 10 magasins être consumés, lesquels constitués de denrées alimentaires. Et ce jour, nos reporters Patrick Ngoignan et Patrice Faux nous en disent un peu plus. Voici ce qui reste des dizaines de magasins consumés par les flammes hier aux environs de 16h au lieu dit derrière Poulailler au marché Dakar situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. J'ai vu la fumée là qui sortait vers le bassin. Je dis à ma voisine que mais c'est pas on allumait quoi là-bas derrière comme ça. Ça donne beaucoup la fumée comme ça. Avant que ça ne finisse dans ma bouche. Ça fait comme une bombe. Ça s'est éclaté comme une bombe. Une fois, il n'y a même plus moyen d'entrer même dans le feu pour sauver quelque chose. Comme vous voyez la scène là, tout ça là. On ne sait plus comment ça. Ça nous a même attaqué de l'autre côté avant qu'on ait intervenu à temps. Après, il y a ça. C'est où mon téléphone sonne. Quand je décroche, on me fait appel qu'il y a un incendie au niveau du marché Dakar. Précisément là où je me débrouille. Quand je fais des métaux. Bon, Dans l'appel, j'ai répondu qu'on essaie de défendre. Puisque moi, en quittant, le temps de quitter pour ici, il se fera tard, je ne pourrais rien faire. Autant mieux que la population puisse défendre ce qu'ils peuvent le faire. Quand j'arrive, tout va que franchement, le feu était énorme. Ces commerçants, propriétaires des boutiques parties en fumée, déplorent la perte de leurs marchandises. Là-bas, chez moi, j'ai perdu que les choses que les vandales ont piétinées. Parce que la voisine en face, les haricots, le maïs. Sans compter les sacs, les charbons, tout ça. On a piétiné toute ma marchandise en face là. Parce que nous, on sauvegardait pour les voisines, mais on n'a même pas pu sauvegarder même pour eux. J'ai perdu les ignames et les patates. C'est ça que vous voyez verser partout là. Ah, je ne sais pas, c'est l'argent des gens, je ne sais pas. C'est l'argent des gens. Ce que nous vivons dans les cotisations, les dettes, c'est comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est tout brûlé, c'est tout brûlé. Tout. Même ce que j'ai vendu en espèces, 50 000 francs, j'ai encore laissé dedans, c'est brûlé. La thèse d'un court-circuit est fortement évoqué. Je ne peux rien dire, c'est ça que c'est simplement que ça peut que prévenir d'un coup sur cul. Ça peut que venir d'un coup sur cul. Parce que franchement, c'est pas une maison où on utilise le feu à bois. Là où ils faisaient le congélateur de poissons, là où ils mettaient le magasin de poissons, là où ils gardaient. Donc c'est à cause d'un coup sur cul. On coupait la lumière, on coupe, on lance. Entre-temps, un congélateur s'est pété. C'est ça qui a été causé de l'incendie. Les commerçants, pour une fois, saluent la prompte réaction des soldats du feu. Honnêtement dit, ils ont intervenu à temps. Parce qu'il y a eu 3 camions. Il y a eu 3 camions de sapeurs. Moi, j'en ai vu 3. Je confirme ce que j'ai vu. Cet autre incendie dans les marchés vient alourdir la longue et triste liste des espaces marchands partis en fumée à Douala. À chaque incendie, les causes sont trouvées, mais les actions pour enrayer le phénomène relèvent d'un véritable mirage. Mais les actions pour éradiquer le phénomène relèvent d'un véritable mirage. Encore des flammes dans les espaces marchands de la ville de Douala. Une série noire et dramatique pour les commerçants, une situation qui est de plus en plus récurrente. Presque tous les marchés de la cité capitale économique ont au moins déjà une fois été ravagés par les flammes. Que se passe-t-il exactement? Vous aurez la réponse dans un instant. Mais pour le moment, Frédéric Moutomé nous fait ce rappel historique des espaces marchands de la capitale économique du Cameroun qui ont déjà été visités par les flammes.
La série noire des marchés qui brûlent a un lot passif dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Le 15 décembre 2009, déjà, une bonne partie des installations du marché central de Douala étaient réduites en cendres à la suite d'un gigantesque incendie qui a mis au chômage des centaines de commerçants délestés de leurs marchandises à la veille des fêtes de fin d'année. Quelques temps plus tard, c'est au tour du marché New Deido de Douala d'être embrasé par les flammes. Le 2 mars 2013, le même espace marchand est une fois de plus attaqué par les flammes le 21 mars 2018. Dans cette série d'incendies, le marché Mbopi de Douala, à cheval entre les arrondissements de Douala 1er et 2e, est sans doute le plus marchandeux de tous les équipements marchands de Douala. En moins de 5 ans, le marché le plus couru de Douala et même de la sous-région Afrique centrale a été ravagé par les flammes pas moins d'une vingtaine de fois. Et à la fois, ce sont de nombreuses boutiques et marchandises qui sont réduites en cendres aux grandes dames des commerçants qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. À côté du marché Mbopi de Douala, l'on peut également citer le marché Congo qui a aussi été embrasé par les flammes. Ici, les sections bijouterie et tissus ont été réduits à néant du fait des flammes. Il a même fallu une intervention du chef de l'État Paul Biya pour un appui significatif financier pour accompagner les commerçants sinistrés qui se comptaient par milliers. Les marchés Sandaga, Monkamandokoti, marché Dakat, marché Madagascar à Douala 3e, marché Pekawit, marché de la cité de Palmiers, les marchés de Bonamoussadi ou encore du quartier Lokpom à Douala 5e ont aussi reçu la visite des flammes. Et à chaque fois, les commerçants payaient le lourd tribut avec des pertes énormes estimées en centaines de millions de nos francs CFA. Une récurrence des incendies dans les équipements marchands de la capitale économique du Cameroun Douala qui nous amène à nous poser une seule question. Qui met le feu dans les marchés? La question vaut tout son pesant d'or, mais mérite tout de même une réponse. Faut regarder tout là, hein. Regarde ma création en descendant. La recrudescence des marchés qui brûlent dans la ville de Douala est donc une situation récurrente et suscite beaucoup d'interrogations. Il ne se passe plus une saison sans qu'un incendie soit enregistré dans un marché. Chalfis Elangay a les réponses. Nos marchés brûlent, on dirait le titre d'un court-métrage à la camerounaise. Loin de la fiction, la réalité est pourtant là et enflamme l'actualité autour des marchés au Cameroun. Chaque marché au Cameroun connaît la caresse agressive des flammes. Et le bilan est on ne peut plus lourd, mais pas plus lourd que la fameuse interrogation à tête rotative qui est à la recherche permanente d'un coupable enfui dans la fumée du secret. Qui brûle nos marchés? Quelle est l'identité de cette main pyromane qui, après son passage très souvent nocturne, handicape des familles qui ne vivent essentiellement que des fruits de ces marchés? Pour certains, les occupants de ces espaces publics marchands sont très souvent victimes de leur propre turpitude. Vu l'individualité des contrats, les locataires font très souvent appel à l'expertise des électriciens, dont la plus grande expérience est le nombre de toiles d'araignées qu'ils auront tissées sous forme d'installations électriques. La suite, on la connaît, quand le mauvais calcul est fait. En outre, pour d'autres, un peu superstitieux, on va voir chez les oracles et l'hypothèse de la sorcellerie prend place. Nous sommes en Afrique. Normal, chez nous, il n'y a point de fumée sans feu. Chez nous, pour réussir, il faut brûler les étapes. D'ailleurs, après le passage du feu, le nouveau visage architectural de nos marchés est, comme on dit, plutôt explosif. Le monde étant fait de mystères et de secrets, on met la main sur le feu que ces incendies sont tout sauf simples comme le numéro d'appel des pompiers. Le 118 en cas d'incendie est nécessaire. Il ne se passe plus des mois, voire des semaines, sans qu'on enregistre des cas d'incendie dans la ville de Douala. Et à chaque fois que ces incendies sont enregistrés, une question taraude l'esprit des Camerounais qui brûlent les marchés au Cameroun et plus précisément dans la ville de Douala. Notre reporter Jean-Germain Yedna a posé la question à une opératrice économique, Alice Maguedio. Qui brûle les marchés à Douala? La question est toujours posée à chaque cas de sinistre dans les espaces marchands de la capitale économique. Nous assistons à plus de 5 coupures par jour. Quand on est là, coupure d'électricité. L'électricité qui a les baisses de tension, des hausses de tension, qui s'en va à une intensité et revient à une autre intensité. Dans la journée,
Les gens peuvent être là, avoir leurs lampes se griller, avoir les ventilateurs se griller. Mais dans la nuit, comment ça se passe? Parce qu'on assiste à ces incendies toujours presque dans les nuits. Mais le cas de Douala inquiète encore parce que on a souvent, la fréquence est souvent les dimanches, soir, les week-ends, comme si tout se passe comme si il faut que ce soit quand les gens sont vraiment au grand repos. Les choses qui peuvent nous amener les incendies qui sont palpables ne sont pas réglées. On a envie de croire, de se demander s'il y a des mairies ou des mairies de la ville dans notre ville, dans notre cité. Les installations sont anarchiques dans les marchés. Nous avons beau encadrer les commerçants, mais nous avons le volet sensibilisation. La répression ne viendra en aucun cas de nous. Qui brûle les marchés? En réalité, si on pouvait avoir la réponse à cette question, je serais la femme la plus heureuse du monde. Parce que dites-vous bien que aussi petite boutique qu'on puisse avoir, quelqu'un voit tout ce qu'il a dans sa vie voler en fumée. Au-delà des branchements anarchiques qui sont le lot quotidien dans la plupart, sinon dans tous les marchés de Douala, une certaine opinion de la part de ces opérateurs économiques. Les gens m'ont toujours souvent interrogé sur ce plan-là. On a souvent demandé, est-ce que ce n'est pas les commerçants eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Est-ce que je... Moi, naturellement, n'attendez pas que je vous donne une réponse à cela. Je suis un peu scientifique dans ma démarche. J'ai dit, quand la physique nous a dépassés, taisons-nous sur la métaphysique. Si on règle les causes physiques qui peuvent être des probabilités pour nous amener les incendies, si on règle la question du branchement des marchés, parce que dans le jargon de l'électricité, il y a ce qu'on appelle branchement, il y a ce qu'on appelle abonnement. Le branchement devrait incomber à la mairie de la localité. On est à l'ère de la décentralisation. Donc, à ceux qui disent que c'est de la sorcellerie, c'est les sorciers qui peuvent apprécier. J'en sais rien du tout, mais je dis, je ne pourrais pas surfer sur cette cause-là, alors que les causes, la physique, ce qui est palpable et que tout le monde peut apprécier, n'est pas fait. À qui profite donc le crime? Et jusqu'à quand l'arrêt des braises dans nos marchés, notamment dans la ville de Douala? Pour moi, je dois avoir l'espoir jusqu'à la dernière minute de ma vie. Et j'exhorte les commerçants à continuer à avoir d'espoir. Nous pensons qu'en prêchant comme on est en train de le faire, mais si ça rentre dans des oreilles des plus autorisées, ces gens-là, il y aura un d'entre eux qui pourra comprendre quel est notre problème. Ils ont beau vouloir servir Satan tous, mais il y aura un seul enfant de Dieu qui se lèvera pour dire, écoutez un peu ce que les gens là disent là-bas. Et ce jour-là, peut-être on nous permettra de nous auto-organiser. Incendie à répétition dans les espaces marchands à Douala. Commerçants, responsables en charge, autorités municipales et administratives, ainsi que l'entreprise en charge de la distribution du courant électrique. Chacun à sa part de responsabilité. Et comment appréhender le feu? Comment stopper la saignée quand on sait que ces incendies enregistrés ont un impact négatif sur l'économie camerounaise? Quelles sont les principales causes de ces nombreux incendies enregistrés dans la ville de Douala? Nous sommes allés à la rencontre du capitaine de navire Flaubert Tombi, qui est par ailleurs expert en sécurité incendie. Il nous aide à comprendre. Parlant des principales causes des incendies précisément dans les marchés, beaucoup plus c'est des installations anarchiques. Les incendies dans nos marchés régulièrement sont causés par des installations électriques qui ressortent de l'anarchie, s'il faut le dire, du bricolage. Et comme j'ai expliqué, la formulation du triangle du feu, vous voyez, l'électricité ne joue qu'un seul rôle, produit la source de chaleur, soit l'étincelle. Et le cas de nos marchés, vous savez, dans les marchés régulièrement, on trouve les ordures, les papiers qui traînent, les morceaux de tissu, les pailles et d'autres. Et tel que j'ai expliqué plus haut, vous allez voir
l'étincelle qui est appelée flamme pilote, quand l'énergie joue son rôle de la production, l'étincelle se déverse soit sur ce tissu qui traîne ou bien ce bout de papier, et c'est comme ça que l'incendie commence. Ça embrase, ça conduit et voilà, ça se propage. Voilà en fait les causes des incendies dans nos marchés. Beaucoup plus d'origine électrique. Pour ne pas parler de l'origine énergétique, nous nous focalisons sur l'électricité. Donc, pour les éviter, donc, nous allons parler de... On va retourner sur les sensibilisations. Les sensibilisations et l'hygiène également. L'hygiène. Vous voyez que ça va aussi jouer avec l'hygiène. Pouvoir ranger tous nos déchets, pouvoir veiller sur la propreté dans nos marchés. C'est aussi important. Dans ce cas, nous avons épargné l'installation anarchique. Et en revenant sur les installations anarchiques, nous allons parler du choix du matériel. Quand on parle du choix de matériel ici, on s'appuie sur les jarres de conducteurs, les attaches ou bien les joints ou les dominos, s'il faut les appeler ainsi. Et c'est ça. Safety. Parlant de la recrudescence des incendies dans notre pays, il ressort que nos populations ne sont pas sensibilisées, ignorent carrément la prévention des risques incendies. Et ce qui était bon à savoir, ce qui est bon à savoir pour nos populations, c'est la formation du triangle du feu. C'est-à-dire, c'est quoi le feu? Parce que c'est du feu que par l'incendie. Le feu est la combustion. Le feu est l'association des trois éléments. C'est-à-dire ce qui brûle, qui est combustible, le comburant qui est déjà l'air que nous avons, parce que dans l'air, on a un pourcentage d'oxygène qui participe à la formulation du feu. Nous avons également la source de chaleur. La source de chaleur, tout ce qui peut produire soit une étincelle, soit une flamme. Et c'est donc cela, c'est de là que part l'incendie. Il faut donc faire savoir à nos populations qu'il faut éviter au maximum que ces trois éléments se regroupent, se rencontrent. Parlons à présent de toute autre chose en religion. Fin du jeûne de Ramadan, deux communiqués ont été rendus publics mardi dernier annonçant la célébration de la fête de Ramadan à jeudi 13 mai 2021. Seulement, ces deux communiqués imposent la clarification du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Frédéric Moutomé. La fête marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan se célèbre ce jeudi 13 mai 2021. C'est l'essentiel d'un communiqué rendu officiel par la Commission nationale du croissant lunaire. Dans le communiqué signé par le porte-parole du CNCL, à savoir le professeur Souleymane, la Commission nationale du croissant lunaire précise que la Lune n'a été aperçue nulle part sur l'étendue du territoire national le 11 mai 2021 après le coucher du soleil. Cette sortie de la Commission nationale du croissant lunaire avait été précédé par celle du Conseil camerounais du croissant lunaire qui, dans son communiqué, évoque aussi la date du jeudi 13 2021 comme étant le premier jour du mois lunaire suivant, le jour de la fête de fin de jeûne du mois de Ramadan correspondant au 1er Chawal 2021-1442. Seulement, cette sortie du Conseil camerounais du croissant lunaire est jugé inapproprié et illégitime du point de vue du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Dans un message fax adressé au gouverneur de la région du littoral, Paul Atanganji
instruit à Samuel Dieudonné Ivara Dibois, numéro 1 du littoral, de prendre les dispositions nécessaires en vue d'empêcher toute confusion au sein de la communauté musulmane, notamment en invitant les sieurs Faisal Mouni Sangou Mohamed, président national de l'Assovic, et Cheikh Ibrahim Bombo Moubarak, grand imam président de l'UIC, de se garder de toute communication sur la fin du jeûne du mois de Ramadan, en sifflant ainsi la fin de la récréation. Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, conforte la Commission nationale du croissant lunaire dans son droit et rappelle qu'elle est la seule instance autorisée, mais aussi légitime, de déclarer la fin du jeûne du mois de Ramadan au Cameroun. La veille de la fête du Ramadan est un grand moment de ravitaillement. En effet, les fidèles musulmans vont généralement faire des emplettes, mais seulement cette année 2021, ils ont attendu la dernière minute pour faire leurs courses au grand bonheur des commerçants. Patrick Ngoignan, Patrice Foucault. Carrefour Anatole à Douala, non loin du marché central, nous sommes à la veille de la célébration de la fin du jeûne de Ramadan. Le marché grouille de monde et les commerçants se frottent les mains. Et pour ce dernier jour de Ramadan, j'ai vu que le marché se passe bien malgré les difficultés dues au Covid-19. Mais Dieu merci, nous sommes en train de vendre, le marché se passe très bien pour le moment. Vraiment, par rapport aux autres années, les autres années qui dépassent pas, comme ça c'est un temps de Covid quoi. Hein? On a vendu, mais alhamdoulilah, on a bien vendu, ça s'est bien, très très bien passé. Un tour chez l'esthéticien, assis sur un tabouret de fortune, en plein trottoir, les jeunes filles musulmanes rivalisent d'ingéniosité pour se faire belles. Au marché du mouton, le constat est tout autre. C'est pas la grande affluence. Covid-19 a dicté sa loi. Le marché de cette année, vraiment, c'est un peu difficile. Ce n'est pas comme l'année passée. Vraiment, quand vous regardez le marché, c'est un peu sec jusqu'à la présent. Ça ne sait pas d'aller. Nous sommes là, nous supportons seulement de rester pour voir comment ça peut changer. Mais sinon, ce n'est pas comme l'année passée. Pour ce qui est de la journée de demain, un programme simple mais symbolique est déjà établi. Après la prière, on s'organise de faire un petit déjeuner. On appelle des fidèles et d'autres amis et d'autres fidèles, d'autres frères, musulmans comme chrétiens, de venir passer à table. Mais ça ne sera pas comme l'année passée. Ah ok, demain après la prière, Inch'Allah, nous allons faire la prière et aller rendre la visite aux familles. Et aux familles proches et un peu loin, nous sommes obligés d'aller leur rendre visite. La fête du Ramadan 2021 pour la deuxième année consécutive va se tenir dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Ambiance similaire à Maroua, dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Si les tailleurs s'activent dans les ateliers de couture à livrer Boubou et Gandoura, les commerçants de leur côté se frottent les mains. Ce n'est pas une période de vache grasse. À cause de la crise sanitaire, ajoutée à cela, la fermeture des frontières et la crise sécuritaire. Jean-Jamé Yetna, Tazmi Banti. Le pied à l'étrier. Les tailleurs, sous pression, s'activent dans les ateliers de couture pour satisfaire la clientèle de dernière minute. Attends seulement, à quand vous voyez, non? Vous voyez? Jusqu'à là. C'est pas pour là, ça fait jeu. Allez, tailleur là. Bon, on est en train de pousser seulement, sinon ce n'est pas comme avant qu'on peut programmer, faire quelque chose de bien. On est en train de pousser. En tout cas, on se bat seulement. Et avec des coupures intempestives du courant électrique à Maroua, dans la région de l'extrême nord, des groupes électrogènes sont mis à contribution pour pallier au délestage. On a vraiment le problème de la lumière, vraiment le problème de la lumière. Regardez, on travaille avec le groupe, ça n'arrive même pas à nous satisfaire. Par exemple, j'ai trois machines ici,
Et le groupe là ne fait que fonctionner avec une seule machine. Regardez, je n'arrive même pas à satisfaire mes clients. L'année passée et surpassée, jusqu'à nous sommes à jour J de la fête. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à monter au moins 20 habits. Regardez vous-même là-bas. Oh. C'est le manque de la lumière. Parce que souvent, s'il y a la lumière, nous on travaille 24 heures sur 24. Donc on gagne plus. Actuellement, il n'y a pas la lumière. Dans la journée, on travaille de midi à 18h, il n'y a plus le travail. Tu ne peux pas allumer le groupe dans le marché, les gardiens nous empêchent. On est en train de courir de gauche à droite pour les enfants, les femmes, pour nos habits. Malheureusement, Eneo est en train de nous faire dur. On n'arrive pas à voir nos habits. Jusqu'à présent, je suis là depuis 7h ici avec les tailleurs pour ne serait-ce que retirer les habits de nos enfants. Avec la fermeture des frontières et la crise sécuritaire dans le septentrion, ajouté le contexte sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus, les prix de certains produits sur le marché sont passés du simple au double. En fait, la fête là se prépare difficilement, il n'y a même pas les moyens dehors. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. On laisse tout entre les mains de Dieu, ce qui est sûr, peut-être ça va aller, on attend. Voir. Ça a fait augmenter les prix. Que ce soit au niveau des habits ou l'alimentation, tout est devenu cher. Donc, le pain qui était à 4 000, 5 000 aujourd'hui, c'est dans les 12 000. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour toutes les familles de se vêtir. Surtout le prix des achats d'alimentation, par exemple, comme le riz, les engrais, tout a augmenté. Donc, résultat des courses, les commerçants se tournent les pouces. Pas de bonnes affaires cette année comme les précédentes. Aujourd'hui, là, donc, il n'y a pas de l'argent au Cameroun, Marcel, c'est un peu seulement. Et le marché, ça ne passe pas comme l'année passée. Cette année-là, les gens plaignent, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, bon, les gens se plaignent beaucoup. Même le prix des marchandises est augmenté vers le Nigeria. Tout compte fait, et nonobstant la vie chère, la fête du Ramadan aura bel et bien lieu ce jeudi 13 mai 2021 à Maroua, dans le Grand Nord, comme partout au Cameroun. Merci à vous, Jean-Jemé Yetna et Casimir Bontir. Par anticipation, bonne fête à la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Et dans le registre des célébrations, le Cameroun qui s'est joint à la communauté internationale ce mercredi 12 mai 2021 pour célébrer la journée des infirmières, à un moment crucial où le monde fait face à la pandémie liée au coronavirus. Ces infirmières sont en première ligne, épuisées et sont parfois obligées de redoubler d'efforts afin de rendre rentable leur obligations. John Pitonka. La profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour les soins de demain, c'est le thème de la journée internationale célébrée chaque année le 12 mai en commémoration de la naissance en 1820 de Florence Nightingale, philosophe fondatrice des soins infirmiers modernes. L'événement, créé en 1974 par le Conseil international des infirmières, en abrégé CII, sert également à souligner le rôle important que jouent les infirmières dans les soins de santé. Cette journée fait souvent partie d'une célébration d'une semaine, généralement appelée Semaine nationale des infirmières et infirmiers. Malheureusement, beaucoup de gens semblent penser que les médecins sont les seules personnes les plus importantes du système de santé, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Les infirmières jouent un rôle clé dans toutes nos institutions médicales en tant que responsables du bien-être, de la sécurité et du rétablissement des patients. Les infirmières ont une somme de connaissances considérable et de nombreuses compétences diverses qu'elles passent des années à apprendre et à perfectionner tout en travaillant dans des environnements résolument difficiles où le stress extrême n'est qu'une partie de leur travail. Les infirmières aident à donner un nouveau souffle de vie au monde, s'occupent sans relâche des malades et des blessés et observent parfois les patients qu'ils ont tout fait pour sauver de la mort
Malgré tous leurs efforts, à maintes reprises, une infirmière vigilante a remarqué une erreur de prescription d'un médecin à temps pour sauver la vie de quelqu'un. À côté de cela, il faut reconnaître le dur labeur, les longues heures de travail et la contrainte émotionnelle qui fait partie de la vie de chaque infirmière au quotidien. Inutile de préciser que l'infirmière joue un rôle moteur pour la santé de tous. Et pour la vie, il faut donc le temps d'une célébration s'arrêter et dire merci à ces soldats de la vie. Et en Yaoundéré, la journée internationale des infirmières a été célébrée ce mercredi 12 mai 2021 sans tambour ni trompette dans une ambiance liée à la pandémie Covid-19. L'occasion de congratuler les efforts du personnel soignant de ce côté-là. La correspondance est signée Boubacari Moussa. C'est bien connu. Les infirmiers ont toujours été en première ligne pendant les périodes des crises sanitaires. La célébration de la Journée internationale des infirmiers, ce 12 mai 2021, remet au goût du jour le rôle important que joue ce corps médical, surtout à l'heure où la pandémie du Covid-19 fait rage à travers le monde. Conséquence immédiate, les infirmiers sont projetés au-devant de la scène avec une charge de travail plus importante. C'est maintenant avec l'arrivée de Covid, avant même il y avait le nombre insuffisant de personnel de santé, ces mêmes infirmiers qui travaillent dans le ministère de Covid sont les mêmes qui travaillent aussi dans d'autres services, ils ont leur service. Maintenant, il a la charge de travail qui fait problème maintenant. Quittant du comité de Covid, il doit rentrer dans son roulement. Peut-être qu'il sort de la garde à l'unité Covid, il rentre maintenant en journée pour travailler. Vous voyez que ça c'est un problème. Et ce problème est dû au manque de personnel que tout le pays a. L'infirmier, dont la principale tâche est de dispenser des soins pour restaurer la santé des patients, a un lien plus étroit avec le malade du fait de sa proximité avec ce dernier. Et il y a aussi l'approche, parce que l'infirmier passe plus de temps avec le patient que le médecin. Donc ça crée des liens avec le patient. La plus grande formation sanitaire de la région, en l'occurrence l'hôpital régional de Ngaoundéré, compte seulement 60 infirmiers. Alors que l'école des infirmiers diplômés d'État logés dans l'enceinte du dit hôpital forme en moyenne 50 infirmiers par an. Un chiffre largement en deçà de la demande. Il faut avouer que les infirmiers ont commencé à jouer un rôle plus important en matière de soins aux patients dans les unités Covid. Des visites et des surveillances régulières ont été assurées. Ils s'assurent également que le patient reçoit de la nourriture et ses médicaments 24 heures sur 24. Dans la région de l'Adabawa, depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19, le personnel de santé paye un lourd tribut en étant l'un des corps professionnels les plus exposés au virus. Les derniers chiffres rendus publics font état de 71 personnels de santé infectés par le virus, dont 2 cas de décès. L'actualité internationale nous conduit tout de suite en Éthiopie où les réunions sont multipliées afin de maintenir la paix et l'unité dans ce pays. Le gouvernement éthiopien vient de s'exprimer. Voyons cela avec nos confrères de TV5 Monde. Parmi les atrocités de la guerre au Tigré, le massacre d'Aksoum est un des pires. Fin novembre dernier, des centaines de civils auraient été tués, pour certains à la hache, par des troupes éthiopiennes et érythréennes dans ce que l'ONG Amnesty International qualifie de crime contre l'humanité. Coup de théâtre ce lundi, l'Éthiopie affirme avoir ciblé des combattants du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, et non des civils. Il a été établi que la grande majorité de ceux tués lors du dit incident, bien qu'ils n'étaient pas en uniforme, étaient des membres des forces du TPLF qui combattaient les forces érythréennes. Ces forces sont ensuite retournées en ville et ont attaqué des civils dans la rue. D'après notre enquête, 93 personnes ont été tuées au cours de ces combats. Une version qui contredit même le rapport de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Fin mars, l'organisme indépendant avait affirmé que plus d'une centaine d'habitants non armés ont été exécutés devant leur famille dans un conflit devenu un véritable désastre humanitaire.
Le 4 novembre dernier, Addis Abeba lance une opération militaire contre le tigré séparatiste. Mais les mois passent, les combats perdurent et 6 millions de tigréens sont pris au piège. Viol, massacre, pillage, de nombreux témoignages et rapports internationaux accusent les troupes érythréennes venues soutenir l'Éthiopie. Après avoir nié leur présence, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se ravise. Après que l'armée érythréenne a traversé la frontière et opéré en Éthiopie, tout dommage qu'elle a causé à notre peuple est inacceptable. Nous ne l'acceptons pas. La campagne militaire était contre nos ennemis, clairement ciblée, pas contre le peuple. Dans la foulée, Abiy Ahmed rencontre le président érythréen Isaias Afewerki et annonce le retrait de l'armée érythréenne du Tigré, sans pour autant apporter de preuves tangibles. Selon l'ONU, il y a urgence. Fin mars, le nombre de déplacés avait atteint 1,7 million de personnes au Tigré. Au Tchad, après le décès du président tchadien Idriss Déby Itno, plusieurs organisations sont en train de quitter le pays. Il y a cela quelques jours seulement. C'est la Banque africaine de développement qui a annulé toutes ses missions. Une situation inquiétante qui interroge et l'on se demande quand la réaction de l'Union africaine. Africa News. L'Union africaine prend son mal en patience concernant la situation au Tchad. La réunion de son conseil de paix et de sécurité appelée à se pencher sur le rapport de la mission envoyée à N'Djamena a été renvoyée à vendredi alors qu'elle devait se tenir mardi après l'échec du rendez-vous de lundi, officiellement pour des raisons techniques. L'organisation continentale hésite entre une suspension du pays pour non-respect des normes constitutionnelles et l'accompagnement de la transition militaire. Même si elle avait appelé à une transition pacifique et démocratique, un appel resté sans suite. Pendant que l'UIA tergiverse, la situation dans le pays reste préoccupante. La coordination citoyenne Wakitama, une coalition de partis d'opposition et des acteurs de la société civile, appelle à manifester le 19 mai contre la junte dirigée par le général Mahamat Déby Itno. Alors que la manifestation organisée le 27 avril par cette même coalition avait été réprimée dans le sang. 6 personnes avaient trouvé la mort selon le bilan officiel. La mise en place d'un gouvernement de transition auquel participe une frange de l'opposition semble n'avoir pas calmé les ardeurs de la société civile. Ce mercredi, des opposants étaient dans la rue pour soutenir le régime militaire. Et c'est la fin de ce 19h45. Merci infiniment à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Prenez rendez-vous avec Frédéric Moutomé à 21h dans le cadre de Tout au clair. Quant à moi, je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, 19h45.